Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast qui va être complètement spontané. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet des objectifs, comment faire pour avoir un objectif vraiment aligné à ses ambitions et pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse aller jusqu'au bout de notre objectif. Je trouvais que le sujet était vraiment intéressant et en plus c'est un sujet qui est vraiment approprié puisque là on entame la rentrée et qui dit rentrée dit nouveaux objectifs, nouvelles ambitions, tu vois, c'est un petit peu comme le jour de l'an finalement, on a envie de repartir sur des bonnes bases, voilà, d'écrire une nouvelle page blanche et c'est pour ça que je souhaitais vraiment aborder ce sujet avec toi aujourd'hui, et puis tu sais à quel point moi c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc let's go, c'est parti. Aujourd'hui je vais te partager un exercice qui va être extrêmement puissant, donc prends ton carnet, ton stylo ou sur une page Notion sur ton ordi, mais moi je t'invite plutôt à le faire sur un carnet, c'est encore plus impactant et en plus ça active des neurones complètement différents dans le cerveau quand on le fait sur le papier avec un stylo. Donc en fait l'exercice que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui c'est la méthode SMART. Qu'est-ce que c'est la méthode SMART? Alors bon, déjà SMART en anglais, ça veut dire intelligent. Et bon, tu le savais sûrement déjà, mais je pense que c'est important de le mentionner quand même, parce que justement, ça va être un exercice qui va te permettre de rendre ton objectif plus intelligent, enfin surtout plus efficace. Donc c'est une manière d'aborder les objectifs d'une façon à ce qu'on puisse les atteindre. SMART, c'est un acronyme, donc c'est-à-dire que chaque lettre de cette méthode SMART, ça signifie quelque chose de vraiment spécifique. Et en parlant de spécifique, justement, la première lettre du mot SMART, en fait, c'est le mot spécifique, justement. Donc pour avoir un objectif SMART, il faut d'abord que ton objectif soit spécifique. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir un objectif spécifique? Alors spécifique, ça veut dire un objectif concret, un objectif que tu vas vraiment pouvoir mieux te rendre compte dans ta tête, ça va être plus clair en fait. Plus ton objectif il est clair, mieux ce sera. Donc par exemple, au lieu de te dire j'aimerais perdre du poids, eh bien ça c'est pas un objectif qui est spécifique parce que t'es pas assez précis dans la définition de ton objectif. Donc là, pour que ton objectif il soit spécifique, ça serait plutôt il faut que je perde 7 kilos, admettons par exemple. Ou si tu as l'ambition de gagner plus d'argent, bah, au lieu de dire j'ai envie d'être millionnaire, j'ai envie de gagner plus d'argent, bah, ça c'est pas spécifique. Donc pour rendre cet objectif spécifique, ça va être de te dire je souhaite gagner 500 euros de plus par mois, je souhaite gagner 1000 euros de plus par mois. Ça, c'est un objectif qui est spécifique. Alors, bien évidemment, tu l'adaptes en fonction de l'objectif que tu as choisi pour faire cet exercice. Et comme j'aime bien vous le dire souvent en stories sur Instagram, vraiment, concentrez-vous sur un seul objectif à la fois. Focus, 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 parce que sinon, après, on s'éparpille trop. Et à trop s'éparpiller, bah, notre énergie est dispersée un petit peu à droite, à gauche. Et du coup, on est découragé parce qu'on se dit qu'on n'arrive pas à atteindre les résultats qu'on souhaite, on n'arrive pas à aller au bout de nos objectifs, mais parce qu'on on s'éparpille trop, en fait, à droite, à gauche. Et c'est important, du coup, de focaliser son énergie vraiment sur une seule tâche, sur un seul objectif. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je te conseille. Moi, j'essaye de me fixer par mois à peu près maximum 3 objectifs. Mais l'idéal, en vrai, c'est de s'en fixer un seul à la fois, d'autant plus si ton objectif est assez ambitieux. Moi, comme je vous l'ai dit sur Instagram, là, je suis en train de préparer un projet de ouf. Je procrastine dessus depuis quand même quelques années. Enfin, c'est vrai que c'est assez chaud parce que j'avais plein de peurs, plein de croyances, enfin bref. Et du coup, là, j'ai décidé de me fixer, de me concentrer uniquement sur cet objectif-là parce que sinon, j'ai bien réalisé que j'allais pas réussir à aller jusqu'au bout. Donc si, d'autant plus, si ton objectif est assez ambitieux, je te conseille vraiment de te concentrer uniquement sur celui-ci. Donc pour continuer sur l'objectif SMART, donc comme je te l'ai dit, S ça signifie spécifique et la deuxième lettre du mot SMART c'est mesurable. Alors mesurable, alors on le confond souvent avec la lettre suivante, mais bon je vais t'expliquer finalement, j'ai essayé de trouver des exemples concrets pour que tu comprennes bien la différence entre ces deux lettres, entre le M et le A. Mais donc la lettre M c'est le mot mesurable. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien c'est le fait de pouvoir mesurer ton objectif en termes de progression, en termes de pourcentage en fait. Qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place pour te rendre compte que là t'as l'étape 1, là
t'es à l'étape 4, là, t'es à l'étape 20. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un exemple très concret, ben, quand tu écris un livre, et ben, là où ton objectif, il va être mesurable, c'est, ben, là, par exemple, tu te fixes chaque jour le fait d'écrire tel X nombre de mots, X nombre de pages, par exemple. Donc là, admettons, au bout d'une journée, j'ai écrit une page. Bah là, mon objectif, il est mesurable parce que je peux vraiment le chiffrer. Ça va être vraiment en termes de chiffres. Enfin, le spécifique aussi, comme on l'a vu, c'est possible que ce soit en termes de chiffres aussi, puisqu'on dit, oui, spécifique, c'est je veux gagner 1000 euros de plus par mois, hein, je veux perdre 7 kilos. Et bah, pour le mesurable, enfin, même pour reprendre les exemples que j'ai cités avant, bah, ce qui va être mesurable, c'est de te dire, bah, au bout d'un mois, j'ai perdu 2 kilos. Au bout de 2 mois, j'ai perdu 4 kilos. Et au bout des 3 mois, bah là j'ai réussi à perdre mes 7 kilos. Ou peut-être que j'ai pas réussi d'un coup à perdre ces 7 kilos, donc peut-être que je suis à 6, mais en tout cas, j'ai réussi presque à atteindre mon objectif, et mon objectif est mesurable en fonction de cette mesure, de ce chiffre que je me suis fixé. Et c'est pour ça que c'est important de partir d'abord par un objectif spécifique, parce que plus ton objectif il est spécifique, précis et concret, bah mieux ton objectif il sera mesurable justement. Bah le livre, ce sera par exemple, oui, j'ai écrit une page aujourd'hui, une semaine plus tard, j'ai réussi à écrire, je sais pas, je te dis n'importe quoi, donc 7 pages, donc au bout d'un moi, il faut que j'en ai écrit tant, il faut que j'en ai écrit, je sais pas moi, une trentaine à peu près, si j'essaye de me fixer une page par jour. Et c'est en fonction de ça que tu vas pouvoir mesurer la progression de ton objectif. Est-ce que j'arrive à aller, à passer les étapes vraiment step by step et à y aller petit à petit? Est-ce que chaque jour, en fait, j'arrive à me rapprocher davantage de mon objectif? En fait, un petit tip aussi que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est chaque jour, quelle est l'action vraiment que tu dois mettre en place pour te rapprocher du résultat souhaité, te rapprocher de ton objectif, en fait? Il faut vraiment chaque jour que tu te fixes, même ne serait-ce qu'une petite action, comme je vous le dis souvent, même si tu progresses que de 0,1%, on s'en fiche, mais le but, c'est vraiment de sentir que tu progresses chaque jour et du coup de sentir que ton objectif est mesurable, que tu sens vraiment la progression au fur et à mesure des journées qui passent. Ensuite, la lettre A, donc c'est le terme atteignable, le mot atteignable. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la question que tu pourrais te poser par rapport à ça pour savoir si ton objectif est smart et si ton objectif est donc atteignable, c'est est-ce que mon objectif est à ma portée? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir le faire? Donc par exemple gagner 10 000 euros par mois, pour reprendre cet exemple. Est-ce que je peux, en travaillant seul, atteindre ces 10 000 euros par mois? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir une équipe? Est-ce que j'ai les compétences aussi pour essayer d'atteindre ces 10 000 euros par mois? Est-ce que j'ai assez de temps aussi pour consacrer du temps à mon business pour générer ces 10 000 euros par mois? En fait, ça, là, on va vraiment se concentrer sur tes ressources et tes capacités à atteindre cet objectif-là. Et pour reprendre l'exemple du livre, bah, ça va être, par exemple, pour que ton objectif soit atteignable, comment je vais faire pour documenter et créer mon livre? Enfin, comment je vais faire pour l'alimenter, pour apporter des sources dedans? Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un gros travail de documentation derrière, il va falloir que je fasse des recherches, il va peut-être falloir que je me focalise et que je me concentre sur mes propres expériences, ou peut-être qu'il va falloir que je fasse des témoignages, que je questionne d'autres personnes pour pouvoir alimenter mon livre. Donc en fait, c'est toutes ces questions-là que tu dois te poser. Comment tu vas faire pour alimenter ton objectif? Sur quelle base, sur quelles ressources, disons, et sur quelles compétences il va falloir que tu t'appuies pour que ton objectif soit atteignable et donc que ton objectif soit smart? Alors la lettre R, c'est pour le mot réaliste par rapport à l'objectif smart. Alors là, c'est plus une façon de se dire qu'il faut quand même garder les pieds sur terre par rapport à son objectif. C'est sûr que si par exemple tu gagnes seulement entre guillemets 1000 euros de chiffre d'affaires par mois et que tu souhaites devenir millionnaire en 2 mois, bon bah tu te rends bien compte que là il y a quelque chose qui va pas et que ton objectif il est pas réaliste. Donc là il faut juste réajuster les chiffres et par exemple te dire bon bah si pour l'instant je gagne 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, il faudrait au bout de 2 mois que j'en gagne, je sais pas, je dis n'importe quoi, 1250. C'est beaucoup plus réaliste et faisable, tandis que par exemple bah si tu gagnes je sais pas, je dis n'importe quoi, tu gagnes allez 800 1000 euros de chiffre d'affaires par mois si t'es un grand chef d'entreprise, etc., et bien là forcément que au bout de 2 mois tu l'as rempli ton objectif de devenir millionnaire, en fait, tu vois ce que je veux dire, parce que là c'est plus à ta portée par rapport aux chiffres
chiffre d'affaires que tu générais avant. En 2 mois, c'est tout à fait possible pour toi d'être millionnaire. Donc en fait, là, ça va plus, l'objectif qui va être réaliste, c'est plus par rapport à ta propre situation, par rapport à la situation de départ, la situation de base. Forcément que quelqu'un qui gagne 1200 euros de chiffre d'affaires par mois, il a beaucoup plus de difficultés à devenir millionnaire que quelqu'un qui en gagne déjà 800 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Enfin, lui, déjà, en 2 mois, ça y est, il a déjà rempli son objectif. Donc, c'est vraiment de se baser sur son propre cas et de se demander si j'ai pas un peu la tête dans la lune ou est-ce que c'est vraiment réaliste ce que je suis en train de faire. En fait, c'est vraiment garder les pieds sur terre, mais tout en ayant un peu la tête dans les étoiles, dans le sens où oui, c'est quand même important d'être ambitieux. Peut-être que le fait de se dire je gagne 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, j'aimerais atteindre au bout d'un mois 1100 euros, bah peut-être que justement c'est pas assez ambitieux et qu'il faudrait voir les choses plus loin. Donc ce serait par exemple de se dire bon bah non, en fait d'ici 3 mois par exemple, parce que c'est peut-être justement à ce moment-là plus réaliste, au bout de 3 mois j'aimerais bien faire gagner par rapport à ce que je gagne actuellement 500 euros de chiffre d'affaires de plus par mois. Donc là, ça serait plus réaliste par rapport à ma situation et peut-être qu'aussi en termes de temps, ça serait plus réaliste. Faut aussi voir cela. Et d'ailleurs, en parlant de temps, c'est là où j'en viens à la 5e et dernière lettre qui est la lettre T, donc qui veut dire temporel. Donc là, c'est tout simplement de te fixer une deadline par rapport à ton objectif. Donc si on reprend l'exemple de gagner X chiffre d'affaires par mois, eh bien là, ça va être... je souhaiterais gagner tout simplement, enfin je l'ai déjà évoqué plusieurs fois avant même d'ailleurs, mais j'aimerais gagner 500 euros de chiffre d'affaires en plus au bout de 3 mois par exemple. C'est-à-dire que là par exemple on est le 2 septembre 2024, et eh bien il faudrait que je génère 500 euros de chiffre d'affaires en plus maximum d'ici le 2 décembre 2024. Donc avant le 2 décembre 2024, il faut absolument que j'ai réussi par exemple à trouver un client qui me permet de générer 500 euros de chiffre d'affaires en plus par mois. C'est vraiment de se fixer une deadline, de se fixer une limite et surtout de créer l'urgence en fait à travers cette temporalité, parce que en fait c'est très important d'ailleurs ce critère-là, parce que si tu ne te fixes pas d'urgence, tu passeras jamais à l'action. Tu vas toujours reporter, tu vas procrastiner ton objectif. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il est pas si important que ça pour toi. Et du coup, à chaque fois, tu vas décaler. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, tu passes pas à l'action, il se passe rien et tu sens pas que tu progresses dans ta vie, t'atteins pas ton objectif. Alors que, si t'avais travaillé ta vision, si t'avais travaillé ça avec un coach mindset, bah, ça te permettrait vraiment d'aller au bout de ton objectif et de passer à l'action surtout. Et comme je te l'ai dit, vraiment, mets une petite action en place, même si c'est riquiqui, on s'en fiche. Par exemple, tu te fixes de lire, je dis n'importe quoi, 3 livres en plus par mois par rapport à avant. Bah voilà, avant, pour commencer, pour pas que ça soit quelque chose de trop gros pour toi, bah tu vas te mettre à lire une page par jour. Tu vois. Et en fait, en plus, quand t'es dans le bain aussi, c'est ça qu'il faut se rendre compte, un point que j'aimerais vraiment mentionner avant de terminer cet épisode de podcast. Mais c'est que, en lisant une page, en fait, tu vas te rendre compte que bah ton livre, il est tellement intéressant que tu vas vouloir continuer à le lire, donc tu vas pas lire une page, ou peut-être que le premier jour, tu vas vraiment avoir des difficultés. Du coup, tu vas lire qu'une seule page. Mais les autres jours, tu vas lire 2 pages, 3 pages. Le matin, tu vas lire même, au bout d'un moment, tu vas finir par lire 10 pages, et c'est là où tu vas te rendre compte que tu vas réussir à lire beaucoup plus de livres de façon mensuelle. Et c'est là où, en fait, j'aimerais insister sur un truc, c'est que quand t'as des objectifs, en fait, le plus dur, mais vraiment le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Le plus dur, c'est de se mettre dans le feu de l'action. Le plus dur, c'est de se dire « Ah là, aujourd'hui, il faut que je fasse une petite action pour mon objectif. » En fait, c'est plus le avant, c'est-à-dire qu'on va tellement se faire des films dans notre tête, mais le cerveau humain, il est comme ça, hein. Il va tout faire pour se protéger. Donc, tu vas avoir plein de peurs, plein de croyances limitantes qui vont t'empêcher d'agir. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que du coup, tu peux pas sentir que tu progresses. Et du coup, tu mets toujours tes objectifs au placard. Tu t'essayes jamais de passer à l'action pour les atteindre parce qu'elles ont, ils ont pas assez d'importance pour toi. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à travailler ta vision pour réussir à toujours dépasser cette difficulté de passer de 0 à 1. Parce que une fois que tu passes de 0 à 1, une fois que t'as monté la première marche de l'escalier, et ben, je peux te dire que les autres marches de l'escalier, elles sont beaucoup plus faciles à monter. La plus dure, vraiment, il y a une image qui était comme ça, là, sur Instagram, que j'avais vue une fois, mais je trouvais ça tellement véridique, tellement révélateur, et ça représentait tout à fait la difficulté d'accomplir des objectifs, de les réaliser.
C'est que t'as un escalier et en fait la première marche de l'escalier, elle est beaucoup plus haute que les autres et les autres en fait elles ont à peu près la même taille, elles sont plus petites que la première. Mais c'est exactement ça. Le plus difficile dans ton objectif, ça va être de passer la première marche. Mais une fois que t'as passé la première marche, toutes les autres marches en fait elles sont simples en fait à monter. Donc c'est pour ça vraiment travaille sur ta vision pour que tu puisses donner de l'importance à ton objectif et je t'assure que t'arriveras plus facilement à grimper cette première marche et après toutes les autres marches elles seront beaucoup plus faciles à monter. En plus quand tu atteindras le haut de cet escalier, bah tu seras tellement fier de toi, tu pourras tellement te récompenser de mille et une façons. C'est vraiment un sentiment d'accomplissement inouï, enfin, tu t'es tellement fier de toi quand t'as accompli ton objectif, hein, d'autant plus si t'es quand même ambitieux et long à faire, bah, comme par exemple le fait de réaliser un film ou d'écrire un livre, créer une chanson, une musique, bah forcément c'est des objectifs quand même assez ambitieux qui demandent du temps et c'est pour ça que tu peux être hyper fier de toi une fois que t'as grimpé l'escalier, puis en plus les autres ils seront admiratifs de ton travail, enfin en fait c'est extrêmement gratifiant. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé un journaling de 31 jours. Vous pouvez le télécharger en allant sur le lien dans la description de cet épisode de podcast. C'est un journaling, en fait, qui te permet vraiment de faire une introspection sur toi, de définir les objectifs que tu dois réaliser dans la journée, de mettre en place aussi des choses, en fait, qui vont te permettre d'avoir le maximum de ton énergie parce qu'on se rend pas compte à quel point le fait de prendre soin de sa santé, c'est hyper important parce que sinon, forcément, tu n'auras aucune énergie pour réaliser tes objectifs. Donc voilà, je vous ai mis des petites cases à cocher pour te dire est-ce qu'aujourd'hui tu t'es nourri comme il fallait, est-ce qu'aujourd'hui t'as pris soin de ta santé, enfin voilà, est-ce que t'as bien dormi, enfin voilà, toutes ces genres de choses. Et puis à chaque fois il y a une petite citation qui te permet de te donner du peps, pour te donner de la motivation pour atteindre tes objectifs. Et donc vraiment à la fin de la journée tu peux te rendre compte en fait si t'as réussi à atteindre tes objectifs ou pas. Donc c'est pour ça que c'est important de s'introspecter et de mesurer sa progression au fur et à mesure des jours. Donc je t'invite vraiment à le faire si tu souhaites prendre ta vie en main et vraiment mettre les bouchées doubles et passer vraiment un coup d'accélérateur à ta vie. Vraiment, je pense que ça va vraiment t'aider parce que même au bout de 30 jours, tu vas pouvoir te rendre compte que tu as mis des actions en place alors que tu les aurais pas mises si tu n'avais pas ce journaling en fait qui va vraiment te permettre de te motiver. Ou si ça peut aider un de tes proches, n'hésite pas à lui partager. C'est totalement gratuit en plus et dis-toi que j'ai passé beaucoup de temps en plus à le créer. Voilà, je t'invite également à noter ce podcast. Voilà, je t'assure que ça m'aidera énormément à augmenter la visibilité de celui-ci pour avoir plus d'impact auprès des autres. Je veux vraiment partager mes messages à un maximum d'entre vous, donc n'hésite pas aussi à partager cet épisode de podcast à un de tes amis, à un proche, si ça peut l'aider bien évidemment. Donc en attendant un nouvel épisode de podcast, je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite dans mon podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur.